Nous sommes dans la soirée du vendredi 11 octobre 2024. Bonsoir. La Côte d'Ivoire a corrigé la Sierra Leone 4-1 sur leurs propres installations à San Pedro devant plus de 16 000 personnes. La Côte d'Ivoire a confirmé qu'elle est effectivement championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cette fois-ci, ce match compte pour la troisième journée des éliminatoires dans le cadre de la CAN Maroc 2025. C'est à la deuxième minute du match que Nicolas Pépé, avec un coup de pied magistral, a ouvert le score. À la suite, à la 36e minute, le père Yannick Franck Caissier a raté son penalty. On était tous débats. La Sierra Leone a égalisé pensant qu'elle pouvait créer quelque chose. C'est mal connaître les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ayant raté son penalty à la première mi-temps, à la 52e minute du match, Franck Yannick Caissier a ouvert le score. Ça fait 2-1. À la 76e minute, Franck Yannick Caissier marque son doublé pour montrer que un chef, c'est jamais un chiffon. Et comme si cela ne suffisait pas, Oumar Diakité, le wourou, a aussi marqué à la 87e minute sur penalty. En résumé, la Côte d'Ivoire, à l'heure là, ils sont gamés. Ils ont désactivé complètement leur côté humilité et ils foncent tout droit vers le sommet.